Assemblée générale statutaire du patronat des établissements scolaires privés du Bénin. La commune d'Aplahoué a accueilli la 6e édition. Venus de tous les départements du Bénin, les participants à cette rencontre ont réfléchi sur le devenir de l'école privée au Bénin. Mesdames et messieurs, parmi les objectifs spécifiques de cette Assemblée générale, je me permets de citer la relecture des statuts et des règlements intérieurs de l'association afin de les mettre en conformité avec les dispositions actuelles en vigueur, l'étude et l'adoption des différents rapports, le partage des informations à travers les communications sur les réformes en cours dans notre système éducatif et sur les expériences du Burkina Faso. À l'ouverture des travaux, les différentes activités menées par l'équipe dirigeante du patronat ont été exposées aux participants. Le patronat a entrepris plusieurs actions, dont la défense des promoteurs privés face aux difficultés, surtout d'ordre administratif et fiscal. La formation des enseignants dans le but de renforcer les capacités pédagogiques et améliorer les résultats scolaires dans les établissements scolaires privés. Je profite de cette occasion pour témoigner la gratitude du patronat au ministre en charge de l'enseignement secondaire. Je remercie également le ministre des Enseignements maternels et primaires. Je profite pour remercier le directeur de l'INIFRE qui nous a accompagnés au cours de la formation que nous avons organisée à l'intention des enseignants du primaire. À la suite de cet exercice et au terme des échanges, de nouvelles orientations et résolutions étaient prises. Aussi, des suggestions ont-elles été faites au ministère en charge de l'éducation au Bénin. La proposition au gouvernement de l'adoption du projet du décret portant octroi de subventions aux établissements privés prévu dans la constitution du 11 décembre 1990. Ainsi, à l'exemple des pays de la sous-région où l'État subventionne les écoles privées. Que l'assistance accordée aux filles des écoles et collèges publics par l'État soit élargie aux établissements privés. Considérant que la DEC perçoit les frais d'édition des relevés de notes du BPC, nous souhaitons que ces relevés soient imprimés par la DEC et distribués à tous les candidats. Ou dans le cas contraire, que la perception de ces frais soit purement et simplement supprimée. À cette 6e Assemblée générale statutaire du patronat des enseignements scolaires privés du Bénin, on note la présence d'une délégation de l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque et des fondateurs du Burkina Faso. Ce fut l'occasion pour les deux fêtières de signer un accord de partenariat pour le rayonnement et le développement du système éducatif du Bénin et du Burkina Faso. Cette invitation a comblé un besoin partenarial. C'est pourquoi nous avons accepté avec plaisir de répondre à votre invitation afin de vous témoigner la disponibilité de l'UNUPEL à faire un partenariat dynamique pour les secteurs de l'éducation, de l'enseignement et de la formation. À l'issue des travaux, l'ancien président a été reconduit à la tête de la nouvelle équipe dirigeante du patronat. Nous vous promettons de bien travailler, de bien superviser pour que cette mandature soit une renaissance pour le patronat. Les camarades ont replacé en moi leur confiance. C'est une très bonne chose. Les priorités sont d'abord des activités internes au patronat. Il faudrait nous organiser. Mieux animer les structures déconcentrées. Ensuite, sensibiliser les promoteurs, informer les promoteurs des décisions que nous avons prises. Et ensuite, voir dans quelle mesure les problèmes d'ordre national qui se posent à tous les promoteurs,
comment les embrasser. Le représentant du ministère de l'enseignement maternel et primaire, le représentant de l'enseignement catholique et le préfet du département de Koufo ont rehaussé la rencontre de leur présence. Je dis merci au patronat. Au patronat qui a porté le choix sur Aplahoué pour abriter cette revue. Qu'il me soit également permis d'exprimer toute ma reconnaissance au bureau du patronat des établissements scolaires privés du Bénin pour les nombreux sacrifices consentis chaque jour pour la cause de l'éducation et de le remercier pour la bonne collaboration qui existe entre ce dernier et l'enseignement catholique. Nous avons un devoir de niveau très élevé, de vous dire un grand merci. De dire un grand merci à tous ceux qui ont compris que l'État, ça ne peut pas tout faire, jamais. Parce que tous les fils et toutes les filles du Bénin doivent s'entendre pour que tous les secteurs soient merveilleusement occupés afin que la relève puisse être une réalité demain. À travers notre présence à vos côtés ce jour, je voudrais que vous y entrevoyiez le symbole d'une complémentarité pour créer les conditions optimales d'une mise en œuvre éclose de la politique éducative nationale telle que déclinée dans le plan sectoriel de l'éducation post-2015. Alors, je voudrais vous exhorter à rester focus sur les objectifs déterminés en amont pour vos présentes assises dans le but d'insuffler une nouvelle dynamique dans la vie et le fonctionnement régulier des établissements privés. Pour rappel, les patrons d'établissements scolaires privés du Bénin ont été entretenus sur la dématérialisation et la gestion optimale des établissements scolaires via la plateforme digitale SchoolLab au cours de cette 6e Assemblée Générale statutaire. Il n'y a pas de petit enseignant, car vacataire ou titulaire, aspirant ou contractuel, ils accomplissent tous les mêmes devoirs et fonctions.